Nasi nunya du ngadi yankandi minna ngadi yankandi Senegal mu nyankam ma ngamali kutunu na Mauritanie kutunu na ndaga yanko si wa maranja ko ko lingen kam ma kungeni kungeni si wa maranja ko jako sire nan nyanka fodi mamadou kismaren kam ma bonjour. Comment vous allez? Alors, soyez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est le chef de village qui voudrait vous parler. Nous remercions Moussa et la délégation. Le chef de village en personne, il est là. Il y a le représentant des imams du village, il est de l'autre côté. Ils sont là-bas, à côté. Nous allons donc donner la parole au chef de village qui va vous adresser quelques mots de bienvenue. Au grand Kéthi, bismillah. Le chef de village vous souhaite la bienvenue à Koungani. Pour tout dire, qui est votre chef de village? Pour dire à juste titre, je ne suis pas le chef de village en tant que tel. Chef de village n'est pas tel en étranger avec France Bangui. Le chef de village lui-même, en personne, n'est pas là, il est en France. Lui, il est l'adjoint, il est le représentant du chef de village. Il m'a dit que vous êtes en route pour venir ici et quand vous serez là, donc il serait de votre côté. Donc vous êtes là au nom du chef de village, mais au nom de tous les villages. C'est ça qu'il a à vous dire. Il vous souhaite la bienvenue à Koumani. Vous êtes là, vous êtes venu, vous êtes chez vous. Et il y a l'ensemble des jeunes qui sont là et vous êtes ensemble et vous allez œuvrer ensemble. Comme lui, il est âgé, donc il a des gens, des représentants qui sont là avec qui vous allez travailler, vous allez faire le séjour ensemble. Donc, il vous confie donc, à ces représentants qui sont là. Voilà ce que j'ai à vous dire. Nous, on est assez, on est âgé, on est lent. On peut rimer quoi, si tu veux. Voilà, donc il vous met en rapport avec les jeunes qui sont là maintenant. Parce qu'il faut garder un petit. Donc chaque chose a son temps. Voilà, lui aussi, il a ses jeunes avec qui il travaille. Et c'est le moment, quand il est le moment de travail, il faut le faire aussi avec qui il faut le faire. Avec les jeunes avec qui il faut travailler. Donc vous êtes jeune. Je vous passe aux jeunes. Vous allez travailler ensemble. Je vous remercie. Oui, il sait que vous êtes venu. L'état de la route. C'est difficile pour ce déplacement. Mais seulement donc, vous venez juste d'arriver, donc je vous souhaite la bienvenue de chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, après cela maintenant. Ces gens qui sont à côté, ils représentent les imams du village. Ils sont là. Donc, je suis certainement, ils ont quelques mots de bienvenue à vous adresser. Voilà, quand on a deux mots, on a reçu des villages, quelques mots de l'imam, il y en a quoi après. Voilà, après le représentant de l'imam, il y a les frères du chef du village aussi qui sont là. Certainement, ils auront quelques mots à dire. Et après cela, on va passer à faire quelques tournées dans le village pour la salutation de bienvenue. Thank you.
là, ça c'est le représentant du chef du village. C'est l'imam du village. Voilà, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, donc il est là au nom de l'imam du village. Je vous salue. Et vous souhaite la bienvenue ici à Koumen. Première salutation d'usage. Nos papas sont ici avec nous. Si nous quittons ici, on peut les rendre visite là où ils se trouvent. Et vous souhaite la bienvenue. Et je souhaite que le séjour aussi se passe dans de bonnes conditions. Voilà, c'est ça qu'il a voulu. Merci beaucoup. Voilà, bon, tout le monde a dit, comme tout le monde a comme je l'ai dit, 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 Après les mots du chef de village, les propos du représentant de l'imam, on vous présente la jeunesse de Koumen avec le président qui est là, et Viejara. C'est eux qui sont là, ils sont venus à l'accueil. Voilà pour vous dire, soyez les bienvenus à Koumen. Voilà, c'est ça. Donc, nous savons que vous venez juste d'arriver, un peu épuisé, vu l'état de la route et les conditions sont difficiles. Voilà, maintenant, on sait, vous êtes fatigué, mais on peut faire une petite visite au chef des notables du village, chef de notable, et on va revenir, vous allez vous reposer, vous vous lavez. Et après, on va se retrouver à la grande place du village et on va passer les jours. Maintenant, si vous vous aussi, vous avez quelques propos, quelque chose à dire par rapport à au village, on va aller. Pourquoi? Tu as parlé? Pourquoi moi parler? Vous n'avez pas un truc à dire? Non, mais il faut parler en français. J'en parle la langue. Denis parle. Denis parle. Ouais. Si, si, Denis. Vas-y, prends le micro. Parle en français direct. Il parle. Marwa, alors merci pour l'accueil. On espère pouvoir aider mieux et nous avons les amis qui viennent chez nous. C'est des personnes souriantes et accueillantes. Déjà, on les remercie par l'accueil. C'est pas la première fois ni la deuxième fois, c'est la troisième fois qu'on vient ici. Et
à chaque fois qu'on vient, on est toujours bien accueilli ici et ça fait plaisir. À Tigeri Tassou, vraiment, il est pour une femme dans le Haugami, comme on se l'est ramené, content. Oui, on les remercie. On les remercie. Voilà. J'ai plus d'un sou, les gars. Hein. J'ai plus d'un sou. C'est bon, on a compris. Voilà, Moussa. Ok, merci, Moussa. C'est bien.